Thank you.
Je veux chanter.
La parole de Dieu dans la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. De même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même par le Christ, nous sommes largement réconfortés.
les martyrs qui ont accepté de mourir pour témoigner de la foi, donne-nous l'esprit de liberté. Accorde-nous la force de la foi. Nous t'adorons, Seigneur de gloire. Par les martyrs qui t'ont suivi sur le chemin de la croix, fortifie-nous dans les épreuves. Nous t'adorons, Seigneur de Seigneur de gloire, pour ce que tu es, pour le monde et surtout pour chacun de nous ici présents. Nous voulons te rendre grâce pour ta présence, Seigneur, et ta présence qui nous remplit de joie, qui nous remplit de paix, et ta présence qui nous invite à croire que c'est toi qui es là, vivant et vrai. Comme nous disait notre Père Saint-François. Nous voulons te prier aujourd'hui te rendre grâce avec notre soeur Joseph Emmanuel, ce jour anniversaire de son entrée. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui appelles tes enfants à marcher à ta suite, accorde-leur aussi la grâce de persévérer jusqu'au bout dans la fidélité à ton Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont sous le patronage du Saint Venceslas en ce jour. Accorde-leur la force qu'il a eue pour témoigner de toi jusqu'au bout, jusqu'à l'effusion de son sang. Accorde-leur et Dieu, spécialement à l'abbé Venceslas, dans son sacerdoce, la force et le courage au quotidien pour être un témoin véritable de ton évangile. Et pour que sa vie tout entière devienne une parole de Dieu. Seigneur, merci pour les martyrs de notre temps. Et nous confions encore tous tes frères, les religieux et religieux. Accorde-nous la grâce de te réciter toujours fidèle. Notre sommeil Hollande qui prend ses journées de solitude, nous te la confions, Seigneur, et avec elle toute notre communauté. Nous te prions à toutes ces intentions. Nous te demandons de nous obtenir de saintes et solides vocations pour ta plus grande gloire et pour nous saluer des âmes. Que l'amour du Seigneur nous a choisi, nous voici devant toi. Et je t'ai aimé que notre Père, c'est moi que tu es. Avec le trône, Seigneur, que tu sois juste moins grand que toi, avec toutes tes créatures, frères vents, frères soleil, sœurs pluie, notre mère, la terre et toutes les créatures, nous te rendons grâce, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de respecter la création que tu nous as confiée. Merci pour tous les efforts qui se font dans ce sens. Par les martyrs qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, fais-nous vaincre les tentations de ce monde. Acclamons, Seigneur de notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Sur la terre, comme au ciel.
remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons.